On va mettre en place un secours par voie avec l'utilisation du mat des ports. Le commandement s'effectuera à la voix et au sifflet en partie haute et à la radio avec le sauveteur qui sera au milieu de paroi pour récupérer le grimpeur. Allez, descendre doucement. La traction, est-ce qu'on est prêt? Allez, traction doucement. Traction rouge. Encore. Halte. On utilise oui des techniques issues de l'alpinisme, secours montagne. Il faut alors non seulement pratiquer beaucoup hein, pour garder tous nos automatismes, et puis voilà être friand de nouvelles technologies et autres, et puis s'en accaparer. Là, il y aura forcément un passage au vide. Le brancard, il va passer au-dessus du vide. Et au moins, ça évitera que ça vienne toucher au niveau de la palette. Donc là, au niveau des cornes, on les passera sur les puits en téflon. Les puits qui se trouvent au-dessus. On intervient à partir du moment où les moyens traditionnels de nos sapeurs-pompiers sont limités soit par la hauteur, la profondeur ou le risque lié au cheminement pour se rendre sur intervention, mais également lorsqu'on est au bout du bout. Donc lorsqu'on ne peut plus faire avec nos moyens traditionnels, on appelle l'équipe spécialisée qui, elle, prend le relais. On intervient sur énormément de types d'interventions, mais on a une spécificité ciblée qui est le partenariat avec le SAMU, où on va leur prêter main forte pour sortir des personnes qui sont soit de forte corpulence ou lourdement techniquées avec beaucoup de matériel médical qui doit suivre la victime.